Ok, petite correction sur cette petite vidéo. Du coup, j'aimerais que tu la regardes jusqu'au bout. Je vais te proposer une offre, un e-book qui est totalement offert et je ne l'ai pas encore fini de l'écrire. Mais dis-moi dans les commentaires si vraiment c'est quelque chose que tu as envie d'avoir, envie de recevoir directement. Sur la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager, à t'abonner, à tout ça, à toute cette vidéo pour que justement j'aille un peu plus loin, pour que j'aille fasse plus de recherches, plus d'envie, plus d'affiliation. N'hésite pas à me laisser un commentaire, s'il te plaît. Ciao, ciao, bonne journée et bonne continuation sur la vidéo. Hello, hello, salut à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as une énorme patate de folie aujourd'hui. Bienvenue sur cette petite vidéo où aujourd'hui on va parler d'affiliation, comme d'habitude, mais surtout d'affiliation sur YouTube. Et si tu ne sais pas ce que c'est l'affiliation, je vais tout te présenter, t'inquiète pas. En tout cas, pour les autres, qu'est-ce que c'est, pourquoi faire de l'affiliation sur YouTube? Très très simple à comprendre. J'imagine que tu as déjà fait des recherches sur Google, comment en faire une recette ou quoi que ce soit, eh ben, hop, tu tapes sur Google comment faire cette recette, et en général, tu vois des vidéos YouTube. Enfin, du coup, tu regardes la vidéo sur YouTube parce que c'est plus compréhensible pour toi. Eh ben là, c'est exactement pareil. On va faire de l'affiliation bien référencée pour être autant sur Google que sur YouTube. Et quand les deux travaillent ensemble, ça fait explosion et tu peux avoir énormément de monde. Donc on va passer directement sur mon ordinateur aujourd'hui. Et parce que si tu regardes bien, aujourd'hui on n'est pas à l'appart. On est directement au bureau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je comptais te montrer vraiment beaucoup de choses sur le bureau. Donc je vais te montrer déjà pour les total débutants qu'est-ce que c'est l'affiliation. Ok? L'affiliation, imaginons que tu as un produit. Ce produit-là, je le dessine en cadeau en général. Enfin, c'est ce que tu souhaites promouvoir, d'accord? Ok, ça c'est le produit. Le produit, on te donne un lien affilié spécialement à toi, ok? Toi, avec une vidéo YouTube, parce que là du coup on parle de YouTube, tu fais une vidéo YouTube. Mon Y est un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Tu fais une vidéo YouTube, il y a YouTube qui t'envoie du monde et Google, les deux. Donc, tu fais, imaginons, 100 vues. Allez. 100 vues. Sur ces 100 vues, si ta vidéo est bien expliquée, en bas dans ta description, tu dis, voilà, en bas, si ma vidéo vous a plu, si la description vous a plu, en gros, tout ça, là, et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour savoir un petit peu plus sur le produit. Du coup, les gens cliquent sur le lien et sont redirigés directement sur le produit que tu as promu sur YouTube. Il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas. Si les gens achètent, eh ben, tu reçois une commission. Voilà. Ça, c'est en général comment fonctionne l'affiliation sur YouTube. Ok? Mais ce n'est pas celle que je vais te conseiller à chaque fois pour envoyer directement sur le produit. Parce que du coup, il y a un problème. Si c'est pas un lien à vie, par exemple, si le lien que tu as, le personne clique, il n'est pas client à vie, eh ben, je te conseille de récupérer l'adresse email du monsieur, de la personne, du client. Donc, je te montre. Toi, tu as fait ta vidéo YouTube. Ok? Tu parles d'une formation, imaginons, en drop. Ok? Quelque chose que tu connais. Hein. Tu devras faire la promotion de quelque chose que tu as déjà eu, déjà vécu, déjà des retours. D'accord? Donc, toi, tu fais la promotion de cette formation en dropshipping. Ok? Et ici, dans le lien de la description, tu ne l'envoies pas directement ici. Je te dis pourquoi? Parce que s'ils n'achètent pas, ben tu repars à zéro. Ok? Si tu fais une vente, tu fais une vente, c'est très bien, tu touches une commission, mais si tu l'envoies directement ici, tu sais pas qui c'est. Donc dans ce lien,
tu vas les envoyer sur un tunnel de vente. Oups là, ton tunnel de vente, il est mal fait là. Hop. Sur un tunnel de vente. Et là, ici, ça sera un lead magnet. Ça sera un produit offert. En général, c'est des e-books, c'est des petites vidéos, c'est des petites audios. C'est quelque chose de gratuit. Imaginons que sur le dropshipping, imaginons, hein, t'es pas obligé de faire un dropshipping, tu peux le faire dans tout ce que tu veux. Mais là, comme c'est plus simple en dropshipping, il y a des listes de produits qui sont gagnants en général chaque année. Donc, toi, imaginons, tu fais ta vidéo. Oui, bonjour, nanana. Et cette vidéo, cette formation aujourd'hui est la meilleure du marché, nanana. Et si vous voulez avoir un petit tips en plus, un petit cadeau que je vous offre en passant par mon lien, une liste de produits gagnants qui fait gagner des milliers d'euros, imaginons. Pour ça, cliquez dans la description et je vous enverrai cette liste. Les gens, du coup, cliquent ici, ne sont pas redirigés ici parce que du coup, là, on perd le client. Ouf, c'est gros là. On perd le client. Alors, attends, drop. Et on les envoie directement dans le tunnel de vente. OK? Dans ce tunnel de vente, on va récupérer l'adresse email ici. Et vous allez continuer le tunnel de vente. Et ici, vous allez proposer la formation en drop. OK? Ça, c'est un tunnel de vente d'affiliation. Donc, les gens cliquent ici, hop, ils rentrent à l'adresse email pour recevoir la liste. Ça, c'est la liste des adresses email que vous avez récoltées. Vous avez envoyé à tout le monde cette liste ici de produits gagnants. OK. Donc, tout le monde l'a reçue. Et en plus de ça, si les gens qui n'ont pas acheté sont quand même dans cette liste, les gens qui l'ont acheté sont quand même dans cette liste. OK? Donc, ceux qui n'ont pas acheté, vous pouvez renvoyer un mail en disant, vous avez fait un oubli, vous n'avez pas acheté la formation en dropshipping. Parce qu'il y a des gens, il faut se dire, que peut-être au moment où ils ont vu votre vidéo, où ils ont entré leur adresse email, et qu'ils allaient pour acheter. Peut-être qu'ils ont eu envie de faire pipi. Après, ils ont zappé. Il y a le chien qui avait envie de faire pipi, donc après, ils ont zappé. Il y a la femme qui a gueulé, alors après, ils ont zappé. Il y a le téléphone qui a sonné, alors après, ils ont zappé. Il y a une coupure de courant, après, ils ont zappé. Il y a des milliards de choses pourquoi les gens n'ont pas acheté ici. Hein. C'est pas juste l'envie de pas acheter. Ou alors le prix. C'est pas grave. Mais là, au moins, vous avez l'occasion d'un deuxième essai, en gros. Donc, vous pouvez renvoyer un email en proposant cette formation. OK? Imaginons que cette formation, elle a 900 euros. OK? Et là, vous dites, bon, c'est peut-être le prix. Donc, je vais chercher un autre produit, une autre formation en dropshipping. OK? Donc vous avez votre liste. Imaginons que vous en avez récolté 60, imaginons. Sur les 60, il y en a peut-être un qui a acheté. OK? Celle à 900 euros. Imaginons que allez, vous avez touché 400 euros sur la vente. Donc là, c'est peut-être en une journée ou en une semaine que vous avez touché 400 euros. Et du coup, vous cherchez une autre formation moins chère, peut-être à 500 euros. OK? Et bien là, vous avez déjà 60 personnes à envoyer à cette formation. D'accord? Donc déjà, vous n'avez pas besoin de faire de vidéo encore. Alors, ici, vous envoyez les 60 personnes à celles de 500 euros. Peut-être il y aura une vente de plus.
Et là, vous touchez, imaginons, 250 euros. OK? Mais c'est pas grave. Ici, peut-être que les gens, ils n'ont pas voulu ouvrir votre email parce que y a certaines personnes qui ne sont pas intéressées. Alors, ce que vous faites, c'est vous faites une vidéo YouTube. On recommence, une vidéo YouTube qui fait la promotion de cette formation à 500 euros. YouTube va vous envoyer des gens. Vous allez les faire rentrer dans un tunnel de vente qui vont les faire envoyer dans votre liste. Et là, on agrandit la liste. OK? Et à ces gens-là, les 60, vous dites, oh, j'ai fait une vidéo YouTube. Vous allez voir, elle est excellente et la formation est top. Donc en plus que YouTube vous envoie du monde, vous vous envoyez du monde aussi. OK? Et vous faites la promotion de ça. Et vous dites, et là pareil, en dessous de cette vidéo, vous dites ma liste, la même liste que ceux-là, hein, que celle-là, hein, la même liste. Hein. Vous dites les produits gratuits. Les produits qui fonctionnent au top en dropshipping. Et pareil, les gens vont cliquer, vont rentrer leur adresse mail ici. Vous proposez à celle à 500 euros ici. Si les gens achètent, tant mieux. S'ils n'achètent pas, tant pis. Tu vois, vous avez quand même une adresse email. Et pour ça, rien que pour savoir ça, je vous jure, vous avez économisé des milliers et des milliers d'heures, des milliers et des milliers d'euros. Parce que certaines formations prennent très très cher pour le dire, vraiment. Donc, si tu ne connais pas encore ce que c'est un tunnel de vente, franchement, va voir sur YouTube, il y a des gens qui présentent très très bien. Ben, ça peut être system.io. Ok, system.io.io. Ils ont 14 jours gratuits pour faire des tunnels de vente. Donc, si tu sais pas, franchement, vas-y. C'est un super truc. 14 jours gratuits, c'est moins cher, c'est 27 euros par mois, par mois. Si tu veux, je te laisse un lien dans la description qui te redirigera directement vers System.io. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Learnybox. Learnybox aussi, c'est pas mal. Il y a ClickFunnel en anglais, mais ça commence à être, ça pique un petit peu. Donc en affiliation, je te le conseillerais pas. Et voilà, après, c'est tout ce que je peux te proposer. Donc, il faut que je te montre les chaînes YouTube qui fonctionnent. OK? Et qui fonctionnent pas. Parce qu'il y en a certaines qui fonctionnent pas du tout. Alors, regarde, avis. Quand tu tapes par exemple sur Google, avis, nanana, on est redirigé vers ici. Et tu as plusieurs vidéos. Alors cette vidéo-là, elle a fait 332 vues et ce qui est cool, c'est qu'elle a que 8 abonnés. Donc tu vois, c'est à rien à voir par rapport aux abonnés. Tu as 300 vues et il a récolté 0 personne parce qu'il n'a pas fait exactement que la même vision, tu vois. Il n'a pas récolté les adresses email. D'accord? Donc cette vidéo, donc cette chaîne-là, elle présente du coup Ecom Academy. Et si tu regardes bien, il n'est pas allé assez loin. Bon, là, il est lié de réduction, mais il a fait qu'une seule vidéo. Donc, tu dois bien te douter que YouTube, il n'est pas fou. Il ne va pas envoyer du monde, beaucoup de monde sur cette chaîne, parce que du coup, eh ben, il a fait qu'une seule vidéo. Mais 300 vues, c'est déjà pas mal. Hein. Là, en un an, 300 vues, c'est pas mal. Moi, je te le conseillerais pas. Tu vois, pas comme ça. Tu peux créer une chaîne, déjà. Tu peux mettre exactement le même titre que la formation que tu présentes. Ok? Donc si moi tout à l'heure je présentais de l'affiliation, du dropshipping, j'aurais fait une chaîne qui s'appelle Avis Formation en Dropshipping. Ok? Dropshipping, lui il a fait, tu vois, il a fait sur Yomi Donzel. Et tu vois, il a fait 3900 vues. Et j'imagine que ces 3900 vues. Eh bien, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent en affiliation. D'accord? Hop, au revoir.
Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur la formation de Yomi Denzel. Ok, donc lui, tu vois, je pense que c'est un super truc, profiter de 500 euros de réduction sur la Ecom Pro, nanana, nanana. Donc ça c'est cool parce que les gens ici, ils profitent de 500 euros de réduction en passant par son lien. Et tu peux faire exactement pareil. Là, c'est dommage qu'il ait marqué 2021 parce que s'il n'aurait pas marqué, il pourrait aussi taper sur 2022, 2023 ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Le mec, c'est exactement qu'on fait comme ça. Donc je te montre la chaîne. Donc on le voit ici sur la chaîne et en fait, vous avez vu qu'il fait que Yomi Denzel. Ok, Denzel et Lucas Biver. Ok, donc si vous regardez bien, tu vois 3000 vues, 300, 300, 100, 3000. Je pense que vraiment, lui il a bien fait son travail. Tu vois, il a mis avis formation dropshipping. Ça, hop, et si tu vois avis formation, avis formation, avis formation, et du coup, il est référencé un truc de ouf. Et bien sûr qu'il a gagné de l'argent avec ça. Il y en a plein d'autres, regardez. Si je te montre sur Google, tu vas voir. Je tape sur Google. Là, il n'y a pas Google, c'est dommage. Je vais taper sur Google. Je vais faire comment créer des tunnels de vente sur ClickFunnels. Je l'avais recherché tout à l'heure. Tu vas voir. Et les premières vidéos, c'est celle-là. Donc, les mecs, ils sont trop contents. Ils n'ont pas envie de lire. Et hop, ils sont ici. Ils vont sur cette vidéo. Sur cette vidéo. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça, c'est une publicité. Dans cette petite vidéo que tu dois voir ici en publicité avant de regarder ta... Hop. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, Rémi Juppy, il fait la promotion de sa formation. Il a 17 000 vues, donc lui, il récupère les adresses email. C'est comme ça que je te disais qu'il fallait faire, il récupère les adresses email. Et après, il les renvoie directement... il fait sa vidéo, il présente sa formation gratuite, et dans sa formation gratuite, il doit forcément avoir un lien de ClickFunnels. Okay, et du coup, lui, il doit gagner beaucoup d'argent avec ClickFunnels. J'imagine 17 000 vues. Donc, c'est exactement comme ça que je vous conseillerais de faire. On revient. Donc, vous créez votre chaîne YouTube. Okay, votre chaîne YouTube, vous allez parler d'un produit qui vous plaît réellement. Donc, c'est un produit, c'est le produit que vous kiffez tant. C'est la niche que vous kiffez tant. D'ailleurs, regardez, on va pas parler de la chaîne YouTube maintenant, mais regarde, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'argent. Je vais faire un A. Il y a le domaine de la rencontre. Il y a le domaine de la santé et le domaine du loisir. Ok, ça c'est quatre domaines ici, c'est ce qui internet fonctionne le mieux, d'accord, dans l'argent, la rencontre, la santé et le loisir. Quand tu vas dans l'argent par exemple, il faut que tu trouves un sous-domaine. Ça c'est les domaines, et le sous-domaine ça sera dans l'argent l'IMO. Ok. Hop là, c'est un peu mal écrit, mais c'est pas grave, tu comprends. Dans l'IMO. Et si l'IMO c'est trop large, parce que c'est un océan rouge, on appelle ça un océan rouge. Ici c'est un océan rouge, trop de monde. Eh bien, on va se nicher. Et dans cette niche, on va trouver par exemple la vente immobilière. La vente immobilière pour. La vente immobilière dans le sud, en France, voilà, en France. Je vais en faire un truc simple. Dans le sud, juste en France, voilà. La vente immobilière en France, ok. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais là c'est pareil, c'est devenu un océan rouge, ok. Eh bien, ce qu'on va faire, on va se sous-nicher. Donc toi, il faudra que tu trouves une formation. Par exemple, de la vente immobilière maison de luxe. Ok. Et là, il n'y en a pas beaucoup qui doivent le faire.
Donc toi, tu fais la promotion d'une formation qui existe dans l'immobilier pour les ventes de luxe. Les maisons très chères, tu vois. Et là, tant mieux, la formation, elle vaut 8, 9, 10 000 euros. Tu sais pas. Et sur 10 000 euros, tu vas toucher peut-être 1 000 sur une seule vente. Ok? Peut-être. Ou tu vas peut-être toucher 5 000. Ou peut-être 9. Bon, 9 000, non, ça m'étonne. Mais bon, au moins 1 000, tu vois. 1 000, c'est possible. Dans la rencontre, ça peut être l'amour. Là, c'est simple. L'amour. Je vais faire un cœur, c'est plus simple. Ouh, un cœur. Ok. Il y a peut-être l'amour, mais l'amour, c'est trop vaste. Tu vas te nicher dans l'amour pour les hommes. Les hommes qui rencontrent des femmes, et sous-niche, ce sera des hommes de 40 ans. 40 ans et plus. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver une formation qui propose ça. Ok? Et toi, tu te spécialises là-dedans. Tu fais plein de vidéos sur ça et tu verras, il y en a beaucoup qui font de l'affiliation et c'est tellement plus simple de te sous-nicher, de parler d'une seule chose. Les gens, ils vont te faire confiance parce que tu parles de quelque chose de bien précis et les gens préféreront ça que ce soit trop large au final. Ok? Dans la santé, bah, pareil, ça peut être le sport. Sans matériel, sport à la maison 20 minutes, tu vois, exemple, ou sport en extérieur 20 minutes, ou course à pied, ou tout ce que tu veux. Bref, il y a tellement de choses, il faut que tu te niches, niche, 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 vraiment, que tu rentres vraiment dans une sous-niche qui fonctionne, où il n'y a pas de monde, mais il y a une formation. Donc d'abord, trouver une formation dans ce que tu veux, une sous-niche, et à partir de là, tu crées donc ta chaîne YouTube qui porte le nom formation par exemple, imaginons que c'est la rencontre amour, comment trouver l'amour après 50 ans ou après 40 ans, ça c'est le titre de ta chaîne, ok? Ta bannière, il y aura ta chaîne, donc ça c'est ta chaîne. Comment trouver l'amour après 40 ans? Tes vidéos, tes titres en général vont commencer trouver l'amour après 40 ans. Voilà. Tu parles de cette formation-là. Tu crées un lead magnet. Imaginons 10 conseils que les femmes adorent à 40 ans ou à 50 ans. Et du coup, tu as créé les 10 conseils, ça c'est gratuit. Tu les envoies vers ton tunnel de vente. Tu récupères les adresses email. Tu gardes la liste de ces clients-là. De cette vidéo, ok. Dans ce tunnel de vente, du coup, tu as récupéré les adresses email, tu les renvoies vers la formation que tu fais la promotion, ok. Et ben voilà, et au final, soit ils achètent, soit ils achètent pas. S'ils achètent pas, tu leur envoies un autre email en disant, vous avez oublié votre formation, nanana, nanana, ok. Votre formation, comment trouver l'amour après 40 ans. Et après, du coup, si tu sors une seconde vidéo qui parle toujours de la même formation, mais par exemple, le titre, ce sera J'ai 40 ans, j'arrive pas à trouver l'amour, imaginons. Tu refais une autre vidéo, tu recommences une formation, enfin, tu recommences à présenter la formation. Il y aura des gens qui vont rentrer. Il y aura des gens qui vont rentrer grâce à YouTube et à Google.
Du coup, tu vas pouvoir leur envoyer la liste, rentrer, bref, la vidéo et refaire la promotion de la formation. Et ces gens-là, peut-être ne savent pas que tu as sorti une deuxième vidéo, eh bien, tu leur renvoies à cette vidéo. Plus tu auras du monde, plus tu auras du monde, plus tu auras du monde, plus tu auras du monde. C'est gagnant-gagnant, tu vois. C'est comme ça qu'on fait de l'affiliation sur YouTube. Donc, si cette vidéo t'a plu et tu dis, ah oh ouais, d'accord, ok, j'ai bien compris. Bon, elle a duré un peu longtemps, mais au moins, tu vois un petit peu ce que c'est. Normalement, ce serait une mini-formation. Il y a des gens qui auraient payé pour ça. Moi, je te l'offre. Donc, s'il te plaît, laisse un petit pouce, laisse-moi un commentaire si tu veux. Et je te dis à très bientôt sur une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi. Ok, comme je te disais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai rectifié toute la vidéo. Donc en début, je te disais que j'avais un livre, un e-book totalement offert que je suis en train d'écrire. Et du coup, ben, c'est celui-là. Et si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, vraiment que je puisse partager gratuitement, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu me dis ouais, j'aimerais bien l'avoir, j'aimerais bien le recevoir. Alors du coup, sur la prochaine vidéo, peut-être que je le présenterai et je le partagerai. Si ça t'intéresse, ben, vas-y, like, partage, fais tout ce que tu veux. Dis-moi que tu en as envie et ça serait cool. Comme ça, je te l'envoie. Allez, à très très vite pour une prochaine vidéo et merci encore d'avoir visionné. Ciao. Tu as 300 vues, t'as bien.